Jenny est où? Tu fais quoi dans ma cuisine? Rien. Sors, allez, va mettre là-bas, imbécile. Vous mangez comme des fourmis. Va jeter là-bas, tu sors. Vous allez envoyer quelqu'un voler. Même Denis, il en a mis. Il a sortez! Il a voulu manger trois. Mais, j'ai dit, hein, vous les gens, vous n'êtes pas sérieuses. Donc, l'histoire de Tatiana et Thierry est repartie de bon, de comment je veux dire? Moi, vous savez que je suis sur les réseaux aussi comme si je ne suis pas. Je suis sur les réseaux là comme si je ne suis pas là. Je ne savais pas que l'histoire là encore s'est repartie de plus bas et que l'autre aurait republié encore Tatiana. Moi, je dis vraiment, partagez le direct si je veux une fois de plus encore parler à Compressor. Tatiana, moi, je l'ai parlé face to face. Je l'ai parlé, une fois je l'ai croisé à l'ambassade, je l'ai parlé face to face. Mais je n'ai pas vu le direct que Tatiana a fait, ou c'est hier, ou c'est avant-hier. C'est maintenant que je ne sais pas sur quoi je tournais et tombe dessus, je vois que l'histoire est encore allée repartir, que l'histoire est repartie du bas de l'échelle. Et en un moment... Les filles, vous ne connaissez pas les sites de rencontres? Vous ne connaissez pas les sites de rencontres? Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct là. Appelez-moi Green. Je ne veux pas les juger. Appelez-moi Compressor. Appelez-moi même Tatiana, les deux femmes là. Appelez-les moi. Vous pouvez vous déchirer comme ça pour un... Pour quelle qualité d'homme? Hé, 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 tonton Gungu la Mokfui. Ma, vous vous déchirez comme ça pour un homme? Eh ouais! On disait qu'une fille qui vend le pépé, c'est une fille qui s'en fout. Une fille qui a fait le waka dans sa vie, c'est une fille qui a une certaine, qui a acquis une certaine autonomie. Mais attendez, j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression de rêver. Mais, Thierry, que vous discutez là, hey, madame, on pouvait donner de l'importance à un gars à gros ventre, un gars qui pète comme Thierry là. Punaise. Donc, deux filles qui ont toutes les, qui ont leur cerveau peuvent décider de... Vous connaissez les gars pour qui les filles se battent? Les gars qui sont d'abord mannequins, les gars qui sont prêts, les gars qui passent leur temps en salle de sport pour sculpter leur corps. Parce que ce n'est pas n'importe quel gars qui peut être gigolo. Moi, je dis que les gars qui ont le gros ventre n'ont pas le droit d'être des gigolos. Les gars qui ont le gros ventre n'ont pas le droit d'être des gigolos. Tu ne peux pas te placer comme ça, la chemise est ici, on voit le bas ventre comme une taille basse. Et les gens se battent pour toi. Maël, viens prendre ton appareil dentaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que parmi vous là, il y a une femme qui comprend ce qui se passe? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Compressor, tu te bats pour qui? Un homme qui te disrespecte, comme disent les anglophones, à chaque occasion. Tu n'as pas honte, tu as dit que tu as pris le gars là à Tatiana, non? Mais comment tu te plains encore que le gars pas voit Tatiana? Tu as dit que tu avais pris, que c'est ton gars, que tu vis avec lui. Regardez-moi les filles comme ça, manque de confiance. Regardez les filles comme ça qui ont manque de confiance en elles. On vous a prescrit les gars Kamuna et le gros ventre. Prenez même les Maliens, les gars sénégalais, Maliens sont d'abord debout, grands, beaux. Vous souffrez pourquoi? Je vois sur les panels, tu es en train de pleurer le deuil partout sur les panels, ma chérie. Mais tu croyais quoi, Compressor? Qui vient, qui tue par épée, mourra par épée.
Tu penses qu'un gars normal, tu renies Tatiana aujourd'hui. Tu cries sur tous les toits qu'elle n'a jamais été ta copine. Pourtant qu'on t'a vu. On t'a vu. Célébrer Tatiana, le gars de Tatiana. On t'a vu organiser l'anniversaire du gars de Tatiana avec elle. Aujourd'hui, tu la renies. Comme quelqu'un, Jésus avait dit, quand le coq va chanter trois fois, Judas, tu vas me renier. Moi, je me dis, mais si c'était même pour un homme qui en vaut la peine. Vous savez, c'est quoi un homme? C'est un homme qui te respecte. C'est un homme que quand vous avez même vos... Quand vous avez même vos différences, là, ça reste dehors. La qualité que tu t'es battu pour avoir le gars là. Le gars là ne devait pas donner raison à quelqu'un dehors de parler pour toi, de toi. Il devait être l'exemple. Il devait être un exemple. La manière que tu t'es battu pour avoir le Thierry là, ça ne devait plus sortir de ta bouche que... Oh, il revoit encore Tatiana. Il s'est big shame. C'est une grosse honte. Tu as dit que Tatiana est partie au deuil du père du gars là. Tu as porté tes choses. Tu as porté ta famille, vous êtes rentrée. Et puis tu viens t'asseoir, tu dis que tu as voulu te comporter en grandement. Et ma soeur, battez-vous pour des hommes qui en valent la peine. Battez-vous pour des hommes qui vous respectent. Ne serait-ce que le respect. Pour les hommes qui vous respectent, vraiment, je n'ai pas dit battez-vous pour l'amour si vous voulez, mais battez-vous pour des hommes qui vous rendent, ça dit que qui vous rendent de l'amour en retour, du respect, de la considération. Tu as tapé la poitrine sur la main sur la poitrine, que tu as pris le gars à Tatiana. Et tu pleures encore, oui. C'est encore toi, ma chère, qui pleure sur tous les toits que le gars retourne voir Tatiana. Eh, mes soeurs, vous ne méritez pas ça. Vous méritez mieux. Ma, va t'écrire sur Adopt. Va t'inscrire sur Adopt. Va t'inscrire sur Mythique Payant. Va t'inscrire. Eh, Anna Wama. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous acceptez que des gars qui ne sont pas à votre hauteur vous manquent de respect? Pourquoi? Hey, je vais vous raconter une petite histoire. Agokode, because this candidate, this man, he talks, say, he don't cleanse them, he don't go up, he don't come down. I say, okay, yes, I go na one date. I go one date, that small snap, where I snap, so where would I see me so, me a de for marché. C'est me a be, comment ça va demoiselle, 3500, me a de go, me for go, meet another man. Depuis le jour là, la donne a changé à 399 degrés. Hein? 399 degrés. L'aiguille a fait un, mais vous pensez de quoi, ma chérie? Si tu ne te donnes pas de la valeur, même un homme ne peut pas te donner. Depuis le jour que j'ai dit que Anobino Sefseda Mambidi, je ne noyais pas que le dimanche là, c'est pour me look. Si vous vous souvenez le jour que je suis go, j'ai dit qu'il m'avait, il m'avait nié un Joe. Le Joe, le Joe, vous savez que, et j'expliquais toujours comme ça, tu sais que quand tu speaks et que tu ne réagis pas là, on pense que non, tu ne peux pas. Le jour, lui disait que tout, que le jour que je rencontre quelqu'un qui me dit que tu fais quoi ici, je lui dis, mon père, on part. J'expliquais tout comme ça. Il prenait ça à la légère. Le dé où je suis Godou, le dé là. Mais je suis back, il y avait Jean. Et je suis rentré encore ici, j'ai Jean. J'ai Castan. Je me suis réveillé vers 5 heures petit matin. Ma, les messages et les captures d'écran. Moulangan dit zut. Meloussi, mais c'est quoi? Pourquoi tu. C'est là où que tu es en train de trop m'écrire. Mais je t'avais dit que si où je suis là, je me remets sur le marché.
Parce que tu sembles ne pas être prête. Tu as dit que oui, ton work te prend la tête. Oui, gnagna. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, je suis une vieille femme. Je me remets sur le maquette. Un bébé date au restaurant. Ça a retourné la donne des choses. C'est-à-dire que l'aiguille a fait comme ça, 390 degrés. Oui. Et tu, vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît le matériel qui va se... Il connaît la marchandise qui va se mettre sur le marché. Il connaît la marchandise qui va se mettre sur le marché. Tu es qui pour me manquer de respect comme on vous fait là? Et on, je vous parle même d'abord de quelqu'un. Quand tu regardes d'abord le monsieur debout, 1 mètre, c'est 79. Plein ici. Debout. Quand il met le costume, tu as seulement envie de dire que va défiler chez Yves Saint Laurent. Quand il met le costume, tu as... Ma, ça c'est pour toi. Je suis plus vieille que toi. C'est pour toi. C'est ton problème. Mais I decide the way. I choose the way you will treat me. Je décide de comment tu vas me traiter. Moi, la vieille femme avec 2 enfants qui est là. Tant que je sais que si je me mets sur le marché, il y aura les acheteurs. I will not take any bullshit. I will not take any bullshit. Maintenant, c'est que, hein, est-ce que tu as des actives, je vois. Oui, des actives. Désactive le truc, désactive l'application. Allons désactiver. Est-ce que tu as désactivé? Oui. Défile les applications. Défile. Ma, parce qu'il a senti. Moi, je sais que j'ai la force de frappe. Je suis d'abord une belle femme. Quand je dis à un joke, on se mitam. Quand j'arrive d'abord, je t'envahis. Ça dit que je te tourbille d'abord avec mon parfum. Tu comprends? Lui-même, il connaît dans quoi. Il connaît où, dans quoi il est. Il sait que 1, 2, 3. Au bout de 3 personnes, hein, il y a un qui va rentrer dans, qui va choper mon fait. Et je connais d'abord speak. Il y a d'abord une différence. C'est que je connais d'abord chat. J'ai d'abord la chat. Je suis, comment je vais dire? J'ai d'abord, j'ai la chat. Et je suis, comment on dit en français? On ne s'ennuie pas avec moi. On ne s'ennuie pas avec moi. Donc, maintenant, effrayant un vent. Et, galama, maman Swanzi m'a dit, nous allons que ton goulab le 26 novembre. Ma grand, il s'est bien, il s'est bien redressé. Il s'est bien mis sur les bottes. C'est juste pour dire qu'elle ne parle plus de mes affaires sur Facebook. Parce que les sorciers ont les oreilles. Je vous aurais dit, c'est quoi la suite de l'histoire? Hein? Vous laissez un gros ventre, un gars qui pète la nuit, tu ne peux pas dormir de l'air pur. Avec le gros ventre, les gars qui attendent 20 heures pour manger le dolé, ils viennent manquer de respect aux filles. Quand tu regardes même le chori en personne, Winnie ou Djakindjengi, ma va t'inscrire sur Bado. C'est pas Bado. Adopte. Adopte. S'il y a des personnes qui veulent se mettre en couple là-bas. Toi, dis-moi, dis. Gringab, si tu n'écris pas, télécharge l'application ChatGBT. ChatGBT. Quand moi, je change avec les moutons là, ils pensent que j'ai un bac plus 7. Adigo, write na introduction. For, I don't want me for français, no be my mama language. I write na introduction for ChatGBT. Write me so. ChatGBT, write. I make copier-coller. Piu, it don't go. It thinks say, it begin to talk. Il begin de talk for with a personne sérieuse. Il begin de talk with a grammatica. When I mean you with the talk. Il y a adopt. Il y a élite rencontre payant. Il y a élite rencontre. En tout cas, moi, adopte jusqu'à preuve de contraire. Les gens se moquent. Allez sur élite rencontre. Allez sur. Il ne faut pas qu'on adopte un mec et adopte. Hein. Allez sur. Mais parfois, ça fait du bien même d'échanger avec les gens. Parfois même, la confiance qu'on a brisée en toi là, c'est important d'échanger avec les hommes, avec certaines personnes.
ça te rebooste. De savoir que tu plais, ça te redonne confiance. Ça te redonne confiance en toi. Yeah! Arrêtez de souffrir pour les gars qui viennent péter sur vous. C'est quoi ça? Le chiori, là, quand il se place debout comme ça, avec une langue. J'ai vu un endroit où il dansait avec Doudou Ngama. Tu vas me dire, ah bon, mes filles. Doudou, Mbatio là, en bas, fin, c'est une langue. Arrêtez. Un gars qui est comme ça, tu crois que le ventre va l'étouffer? Aller en salle de sport même avant de vouloir jouer avec des filles. Aller avec en salle de sport pour pouvoir jouer avant de vouloir jouer avec des filles. Hein? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous, les filles, là, vous vous laissez. Quand tu comprends la vie, quand tu comprends l'homme avec un grand H, you are aware of problem. Quand tu comprends le fonctionnement d'un homme avec grand H, l'homme aime quand tu t'es humilié, l'homme aime quand il te rabaisse, l'homme aime quand il te brise. When he remember that without me you are nothing, les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça. Je vous dis que les hommes n'aiment pas les femmes soumises. Croyez-moi. Quelque chose qui est trop facile à voir, l'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas. Hein? Vous souffrez sur quoi? Jusqu'à tu prends ta copine, une mère d'enfant, tu prends la nudité d'une femme comme toi, tu partages pour montrer que tu as accès au téléphone de moins que rien. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme, un grand homme, il ne laisse, un homme même, ne commente jamais même son passé avec son ex, avec une autre femme. J'ai dit, laissez-moi les petits garçons que vous ramassez là dehors. Un monsieur, il ne commente pas son passé avec son ex. Il ne commente pas sa vie avec une nouvelle femme qui vient de rencontrer. Non. Son passé serait son passé. Il respecte. Ça, c'est pour des hommes intelligents. Il respecte le passé qu'il a eu. La vie qu'il a eue avec cette dernière. Écrivons notre histoire. Il ne te permettra jamais de parler de son ex. Ça, c'est pour les grands hommes. Les voyous, les délinquants. Que pour que vous leur servez les ailes de poulet, ils sont obligés de venir dénigrer vos ex-là. Ce ne sont pas des hommes, ma chérie. Si tu as ça à côté de toi, il faut chercher homme. Parce que tu n'as pas d'homme. Si c'est ça que tu as à tes côtés, trouve-toi un homme. Parce que tu n'as pas d'homme. Because, sache une chose. Dès qu'il va te quitter, la prochaine personne qu'il rencontrera, il fera pareil. Si c'est permis de parler de ton ex avec, de son ex avec toi, il fera pareil. Il parlera de toi avec une autre femme. Moi, un homme ne peut pas venir s'asseoir, commencer à critiquer sa femme devant moi. De toute façon, je vais te... J'ai déposé les petites... C'est un yougos. C'est un yougos à déposer, mais à l'instant T. À l'instant T. Un gars que tu rencontres, au lieu qu'il te commence à te bluffer par ses réalisations, te bluffer par son intelligence, qui te donne envie de vouloir le revoir, il prend le nom de son ex pour saboter. Mais c'est un Yougoslavie. C'est un habitant de Yougoslavie. Et il faut s'en méfier. Hein? Jusqu'à tu te retrouves en train de publier la nudité de ta copine femme à cause d'un homme. Quelle qualité même. Un homme qui n'a même pas su. Ça veut dire qu'il n'a pas impacté son arrivée dans ta vie. Il n'a rien foutu. À part te transformer en braiseuse de maquereau en plein midi en France. Qui braise le poisson en pleine journée? Qui en France? En pleine semaine. Pendant que les gens sont en train de bouillir les pâtes chez eux quand ils rentrent le soir. Hein? C'est des hommes comme ça. Ils vont vous humilier. Te voilà qui est devenu ma panel. Tu es devenu tes soirées, tu les passes dans les panels. Pour essayer...
pour essayer de te justifier. C'est lamentable. C'est lamentable. Moi, il ne sait pas comment vous faites. Hein. Mais en tout cas, mon vieux corps-ci, mon vieux corps dans lequel j'ai sorti deux enfants-là, mérite d'être respecté. Ce n'est pas n'importe qui. Ça mérite d'être... Ça dit que si tu veux, tu as même 18 ans. Je m'en fiche. Mais moi, tu dois me respecter. Ça mérite, je mérite d'être respecté. Regardez comment l'homme-là vous humilie. Hein? Il vous humilie, on dirait... Ouf, j'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne comprends pas. Ah, je vous ai parlé du pommeau de douche. Essayez le pommeau douche. Essayez le pommeau douche. Vous allez voir que personne ne peut plus parler fort. Essayez le pommeau douche. Ma soeur, quand tu as mis les enfants au lit, ils dorment. Tu peux prendre ta douche, tu prends la position. Je vous ai tout dit, faites attention. Parce qu'en voulant mettre ton pied quelque part, tu peux caler. En voulant bloquer ton pied quelque part, tu peux caler. Prends-moi le pommeau douche, là, mets l'eau chaude. Mais les jouissances de ça, aucun homme ne va plus te manquer de respect. Tu vas dire, quand tu finis de jouer à la carité, là, tu vas te coucher, quelqu'un te colle, tu dis, tu m'appelles pourquoi? Why are you calling me? Are you not see that it's late? Tu ne vois pas que c'est tard et que mes enfants dorment, tu peux perturber le sommeil de mes enfants? Hein? Il n'y a rien de plus bien quand une femme se connaît. Bien, ma bâque, à quel nombre de money, à quel nombre de respect, bien, fois que yon, bien, fois quoi que. Maëlle, oui. Tu fais quoi? Rien. Mais non, tu peux pas me dire que tu ne fais rien. Il faut prendre un livre, tu lis. Pour mot douche, dit, tu prends quand les enfants sont endormis. Tu vas prendre ta douche bien, tu finis, tu prends le pommeau douche, la règle au chaud. Seuls les connaisseurs connaissent. Oui, oui, arrêtez l'hypocrisie. Je vous dis la vérité. Arrêtez l'hypocrisie. Utilisons le pommeau douche vivant et gardons notre dignité. Oui, oui. Utilisons le pommeau douche vivant et gardons notre dignité. Quelqu'un ne va pas te manquer de respect parce qu'il vient... Hey, Dotichou, quand tu vas finir d'utiliser le pommeau douche, quelqu'un va t'appeler, tu veux dire que tu m'appelles pourquoi? Why are you calling me for? Les imbéciles comme ça. Tu regardes même les gars qui font, marcher les filles, tu ne vois pas. Hein? Merde. C'est des quoi comme ça. L'histoire là dure depuis combien d'années? Moi, je ne savais plus que c'était d'actualité. Je n'ai pas compris pourquoi Dorcas faisait encore allusion à ça. Je suis tombée sur le livre de Tatiana tout à l'heure, avant de me rendre compte que... Hein? C'est derrière comme la masturbation chez les hommes. Toi, tu, hein, on n'est pas des êtres humains. On n'est pas des êtres humains. Hein? On n'est pas des êtres humains. Si les hommes se masturbent, pourquoi pas nous? Regardez-moi les choses. Est-ce qu'on n'est pas les êtres humains? C'est écrit où que eux, ils ont droit à ça et pas nous? C'est écrit où? Que ils ont droit à ça et pas nous? Mais ça, on est en 2024, hein? Il n'y a plus d'hypocrisie. L'époque où on faisait l'hypocrisie, là, that time il se passe. L'époque de l'hypocrisie est passée. Mes soeurs, si les hommes se masturbent, pourquoi on n'a pas de joie? Pourquoi on n'a pas de joie? Donc tu vas subir n'importe quel manque de respect. Tape sur Google, promo douche, tu vas voir. Je n'ai pas dit promo, c'est promo douche. Tu vas voir. Hein? Pourquoi ils ont droit à ça et pas nous? C'est interdit la main. Par qui? C'est interdit par qui? Alors, vous, votre truc que vous voulez tout amener, les choses de Dieu, là, ne me ramenez pas dans ça. Hein. Les choses qu'on veut parler, 1, 2, 3, vous voulez ramener les choses de Dieu, là. Ne ramenez pas les choses de Dieu, là. C'est interdit par qui? Qui a interdit? La fornication est autorisée.
Alain Binda avait les gars avec qui on n'est pas marié. Hein? C'est dans la Bible, on t'a dit Mbinda avait un gars avec qui tu n'es pas marié. Comme vous avez trop choisi vos interdictions là. Hein? Dans la Bible, on t'a dit Mbinda avec un homme qui n'est pas marié. C'est que vous choisissez seulement quand ça vous arrange. Ah, Corinne. Et la colonne de douche. Tu ouvres de l'eau tiède. Et tu te braques. Oh là 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 là. Ne me remercie pas, Corinne. You know. Elles vont venir dire que oh, c'est interdit. Et ce n'est pas interdit d'aller Mbinda avec un gars sans être marié. Vous choisissez vos interdictions quand vous voulez subir. Laissez-nous aller au paradis, prenez toute la place. Que nous, on ne vient pas trouver notre place. À cause du pommeau douche aujourd'hui, qui peut me parler fort? Je t'ai dit, attends d'abord, je te rappelle après. Quand j'ai fini de jouer mes jouissances, tu m'appelles et ne réponds plus. Tu m'appelles, ne réponds plus. Hein? Voilà les jalouses. Voilà ami Alima qui vient jalouser. J'ai posté mes réalisations. Hier, j'ai posté mon centre commercial. Tu vas venir dire que j'ai pris ça sur Pinterest. Tout ça aussi, c'est la jalousie. Et Dieu vous voit. Mais ceux ne subissons plus. Il faut être avec quelqu'un qui te respecte. Le strict minimum du respect, c'est important. Quelqu'un qui a de la considération pour toi. Quand vous voyez le gars qu'un gringa avec qui, pour qui compression se tue là, est-ce que le gars là la respecte? C'est elle qui a cru qu'elle avait une chatte en diamant. Sinon, un gars qui t'a connu, que tu as connu avec une fille, il laisse la fille pour venir avec toi. Tu t'attendais à quoi? Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le chien ne change pas la façon de s'asseoir. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Aujourd'hui, tu es sur les panettes les heures et des heures. Tu ne dors pas. Pour essayer de... Tu vas expliquer quoi, ma chérie? Quitte dans ça. Quitte dans ce que tu es là. Mieux tu reprends seulement ton camion comme avant. Tu avais une meilleure vie que depuis que tu avais le gars là. Je ne comprends pas comment tu es sorti de ton camion là sans trouver même un blanc. Ou une indigo, ou qui indigo. Les blancs bouffent, ils ont fini avec l'écriture. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se faire respecter. C'est pas parce qu'un homme va venir fouiller dans tes fesses que de temps en temps qu'il va te manquer de respect. Non. Non, non, non. C'est pourquoi il vous donne le secret du pommeau de douche. Tu n'auras pas besoin. Tu prends ton orgasme au calme. Hé, hey, Corinne, la suite, là, je meurs avec. Hé, hey, maman, tu es toujours rayonnante. Tu vois, il faut savoir. Et vous dire, hein, pour les filles coincées là, il faut savoir que c'est important pour un être humain d'avoir régulièrement un orgasme. Un orgasme ou une orgasme. Je vous dis, hein, vous voyez, regardez, 39 ans. Ça te regarde, fais ma porte. Papa Congo, ça. Regardez mon visage, 39 ans. Zéro ride. Il faut savoir, le fait d'avoir régulièrement un orgasme rajeunit. Bigam coincé. Restez coincé là-bas. Restez coincé. Je vous dis la vérité. Et allez faire des recherches sur Google. Vous allez voir que ce que je vous dis. Il peut rester même 3 ans sans gars. Mais je joue à tous les jours si je veux. Oui, 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 oui. Je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas me vieillir parce que je ne suis pas un jeune. Non. Je prends bien mon pied correctement et bien. Regardez mon visage. Regardez la beauté. Regardez la rayonnance. Continuez à vous coincer. Mettant le péché.
mettant ça dans le péché. Quel péché? Qui vous a dit que c'était le péché? C'est le seul péché que vous pratiquez qui est dans la Bible. On vous a dit la fornication interdite. Seulement le Congo, ça, seulement la sorcellerie que vous pratiquez sur les réseaux sociaux là, c'est pire même que ça. Hein? Vous sélectionnez seulement quand ça vous arrange. Une femme qui a la maîtrise de son corps et une femme à qui un homme ne fait pas chier. Surtout une femme comme moi qui a les enfants. Tu arrives à bien connaître ton corps. Quelqu'un va te dire encore quoi? Mon frère, pardon, ne bavarde pas beaucoup dans mon téléphone. Je ne sais pas ce que tu vas me dire. Oui, oui. Vous pensez que les filles là, elles subissent quoi? Vous pensez qu'elles s'accrochent sur le gars là? C'est à cause de quoi? Une fille a le droit de pleurer comme ça que dans une Lamborghini? Mon frère, tu ne peux pas pleurer dans la pauvreté. Tu ne peux pas supporter dans la pauvreté. On supporte le genre de gars là, comme Georgette et tout. Elle l'a supporté. Elle dit que mon frère, je ne veux pas construire quelque chose comme ça du jour au lendemain. Je laisse parce qu'il m'a trompé. Non, je suis là. C'est la qualité là qu'on supporte. Mais on ne supporte pas les vauriens. On ne supporte pas les vauriens. Oui. Un homme qui joue avec vous. Il vient ici, il joue avec toi. Toi, Tatiana, les vidéos de toi qui étaient dans ton téléphone, ça se retrouve dans les mains d'Ingringa comment? Hein? Ça se retrouve dans les mains d'Ingringa comment? Vous voyez des sauvages comme ça, des villageois que vous décidez d'aller associer vos vies avec. Un homme qui prend la vidéo d'une femme nue, il va donner à une autre. Hein? Il n'y a que chez les Camerounais que tu vois ça. Il n'y a que dans la communauté camerounaise que tu vois ce genre de choses. Mm-hmm. Tu ne peux pas voir ça. C'est l'homme qui donne, maman. Me tue. C'est ça quand tu décides d'aller te mettre en couple avec un aliéné. Ça donne ça. Avec un moins que rien. Jusqu'à les gens viennent me demander que oh, ton homme est où, on ne le voit plus. Mon homme c'est votre égal. Mon homme c'est votre égal. Wonderful. Tu finis de filmer une femme, tu prends, tu peux donner à une autre femme. Wanda Chaleva, elle. Tu veux prouver quoi? Si on attaque le villageois là, il va dire qu'il gère deux femmes. Que les femmes pleurent pour lui. Anne, maman. Anne. Vraiment. Mais God have mercy. Vraiment. God should have mercy. Parce que la qualité des nègres là, moi-même, je ne sais pas. Vous discutez quoi? Tu regardes même la personne debout. Tu ne sais, tu essaies de te projeter. C'est son quel côté que les filles là. Moi, je suis une femme qui est attirée par les hommes intelligents. Et un homme intelligent ne peut jamais avoir ce genre de comportement. Pour moi, un homme doit être intelligent. Un homme, pour me séduire aujourd'hui, avec ma maturité, ce n'est même pas trop l'argent. C'est l'intelligence. C'est ça qui m'intéresse. Le pape sort d'où avec les gars qui tapent la bouche. Les gars qui prennent la parole dans le... qui prennent la parole quelque part, la honte veut te tuer. Tu as envie de prendre le sol pour rentrer. Je sors d'où aller ça, mon vieil âge. Même pour que les enfants à la maison aient un bon langage, il faut un homme qui a un bon langage. Voilà. Compresseur, moi, il t'a dit, va payer Élie de rencontre. Élie de rencontre, il y a beaucoup de blancs là-bas qui ne veulent plus de femmes. Ils ne veulent plus d'enfants. Ils ont déjà fini leur vie. Ils veulent seulement une femme, une petite femme qui va leur suivre partout. Ma soeur, tu mérites le bonheur. Chaque femme mérite d'être heureuse. Va chercher un homme là-bas. On ne t'a pas prescrit les relations toxiques, les relations bancales.
Tu fuis la pluie, tu rentres dans la mer. Achille Dikolo même était encore mieux. Achille Dikolo même était mieux. Ma chérie, chaque femme a droit au bonheur. Tu mérites d'être aimée et d'être respectée. Sors dans la merde dans laquelle tu es là. Oui, oui. Sors dans cette merde-là. Tout le monde peut témoigner. Quand tu étais avec Achille Dikolo, tu étais même encore mieux. Tu étais mieux avec Achille. Ce que tu es parti te mettre dedans, là, même tes proches doivent te dire que non, ça ne va pas. Un homme qui est toujours, qui fait toujours la une de l'actualité. Toujours la une de l'actualité. C'est quoi ça? Achille, c'était un homme distrait. C'est toi-même qui as porté Achille pour amener sur les réseaux. Achille faisait ses petits business. C'est un homme distrait. Et c'est un homme qui t'a beaucoup honoré. C'est un homme qui t'a respecté. C'est un homme qui t'a respecté. Je suis sûre que dans ton cœur, tu regrettes Achille. Parce que oui, parfois nous les femmes dans l'impulsivité, on prend des décisions qu'on regrette après. Si tu as un beau sac à main, c'est que tu l'as eu avec Achille. Celui-ci que tu as avec là, à part passer la journée, le préparer, le poisson brisé, le briser, le maquereau, qu'est-ce que tu fais avec? Quand tu arrives, quand tu as là, tu te retrouves avec lui, tu essayes de faire le max pour avoir une maigre photo que tu vas venir poster sur Facebook pour prouver. Je vous ai dit que votre vie de proving là, c'est ça qui va vous tuer. Ici, j'avais deux bars qui me restaient au frigo là. J'ai envie d'assaisonner ça, je fais ça avec les trucs pour les enfants. Bangoula Braise reste, ça réouvre demain. J'ai envie de, je sais pas, je vais faire ça avec les bananes plantains. Ils n'aiment pas trop le poisson, donc je frie pour que ça sèche un peu. Faut arrêter. Tu étais mieux avec Achille. Achille Dikolo, c'est un gars qui t'a respecté. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il te ment. Même l'enfant que tu as ramené ici, là, tout ça, c'est Achille Dikolo. Et c'est ce qu'une femme doit regarder dans sa vie. Qu'est-ce qu'un homme a fait dans ma vie? Il est entré dans ta vie là. Où est le plus qu'il a apporté? Où est le plus qu'il t'a apporté? Zéro. Il n'a rien apporté dans ta vie. Depuis que le gars là est dans ta vie, ma chérie, la seule personne à qui on ne se manque pas, c'est soi-même. Regarde en arrière. Tu verras que depuis que Thierry est dans ta vie, il ne t'a apporté que problème sur problème sur problème. Les problèmes se sont succédés depuis que tu avais Thierry. Doris, on ouvre, on rouvre demain et on verra. Courant de la semaine prochaine. Dans la vie, quand tu te mets avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu dois te poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Si tu te poses, si tu peux être honnête avec toi, tu vas voir que depuis que tu avais Thierry, tu recules. Tu es au reculon. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Trop mieux le plantain. Les Ivoiriens qui aiment la qualité de planter un mur comme ça. Si c'est trop mûr, les gars, ils ne vont pas aimer. Ma chérie, ouvre tes yeux. Ce n'est pas seulement d'aller parler sur les panels et de venir continuer à rester dans ça. Ouvre les yeux, sois réaliste avec toi. Chérie ne fait que te tirer en arrière. Draw you go back. Il te tire en arrière. Et à un certain âge, quand il faut faire le choix de ses relations, on regarde les relations qui vont nous faire avancer. Oui, oui. À un certain âge, tu ne te mets plus en couple avec quelqu'un pour se mettre. Maman, moi-même, j'ai laissé la banane pour te regarder dans la maison. Thank you.
Un gars qui te dit qu'il n'est plus avec Tatiana. Tatiana, l'ex de ma copine, de mon gars, vient à l'enterrement de son père. Moi, je me lève, je laisse le deuil à l'ex de mon gars. Maman, abandiabaku, c'est qu'on gâte le deuil là. Va boire, barre de vous. Ici, la banane a trop mûri. Heureusement que c'est le plantain du Cameroun. Malgré que c'est mûr comme ça, sur le côté, c'est encore dur à l'intérieur. Bon, mon téléphone est déchargé. Je vais vous couper. Bon, ça suffit, Maël et Gianni. Ils ne mangent pas beaucoup. Bon, moi-même, personnellement, je n'aime pas le plantain mûr. Moi, mon plantain, pour que je le mange, il faut qu'il soit vert. Je ne suis pas une fan de plantain mûr depuis petite. Bon, je vous souhaite une excellente soirée.